Une pensée, un jour. Donne-nous un signe de la lumière de ton visage, notre maître, et nous redonnerons nos shekels à ton temple suprême. C'est une des prières que l'on dit, le premier des quatre Shabbatot spéciaux qui précèdent Pessah. Aujourd'hui, 3 Adar, la Torah spécifie que le don de shekel devait être d'un demi-shekel par personne. Mais pourquoi un demi-shekel, demandent nos sages? Parce que nous devons admettre que sans une autre personne pour être notre complément, nous sommes tous incomplets. Aucune personne, quels que soient ses dons personnels, ne peut se suffire à elle-même. Nous avons tous besoin les uns des autres. Le Talmud dit que nous avons perdu notre indépendance nationale à cause de nos dissensions. Lorsque nous prions pour le rétablissement de notre nation et le retour du temple, nous devons nous souvenir de la symbolique du demi-shekel. Nous ne formons un tout que lorsque nous sommes réunis. Ici, Charles Hugassy pour Radio Shalom. Thank you.